Eh bien, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très très bien. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo de deux achats que j'ai achetés. Alors, vous allez revoir un autre disque qui est le même nom, mais sauf là, cette fois-ci, c'est un best-of. Voilà. Et bien sûr, un disque qui est récent, qui est sorti exactement l'année dernière, je pense, hein, qui est sorti en 2019. Pardon, en 2019, pas l'année dernière, mais en 2019. 2019, mais qui a fait un carton en 2020. Voilà, et voilà. Bon, on va commencer par le premier disque. Par le premier disque que je vais vous présenter. Voilà. Tout simplement, Doc Génico en vinyle, double album. Voilà, c'est son Beristoff. Vous allez voir qu'il y a des titres que j'ai déjà. Hein, c'est surtout le premier disque vinyle. Et après le reste, je ne l'ai pas. Donc voilà. Donc la couleur, elle est, j'ai dit rose, mais c'était mauve. Voilà, c'est une couleur mauve. Très joli disque qui sonne, hein, franchement, qui sonne même très très bien. J'ai mis ça sur les platines à Olivier. Voilà, c'est bon, c'est ce que je voulais prendre. C'était un seul disque. Voilà, vous voyez, un blanc. Voilà, je vais vous faire montrer parce que je vais vous présenter le deuxième. Et voilà, noir. Et en plus, j'ai même pas mis comme il faut. Hein. J'ai pas mis comme il faut. Voilà, rose. Hein, pour vous dire, il y a un qui est rose et un qui est tout simplement noir, mais le disque lui-même il est mauve, donc c'est un genre de rose, hein, voilà, rose tout simplement. Voilà, c'est je vous fais, franchement je suis très content comme disque, hein. C'est un très très bon disque vinyle, voilà, un très très bon disque vinyle que j'ai apprécié d'écouter chez Olivier. Je l'ai acheté avec ma carte PCS, je ne l'ai pas acheté avec ma carte bancaire officielle. Donc voilà. Et oui, donc voilà. Ça, c'est super génial. Franchement, très très bon disque vinyle. Et un très très bon disque vinyle, franchement, rien à dire. Maintenant, Jérusalem, l'album lui-même. Alors, désolé hein, de ne pas l'avoir en single, mais je l'ai en album. Voilà. Je l'ai en album et il est en deux fois, en version normale et en version remix. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est un super disque. Hein. C'est Meister KG. Voilà, Meister KG. Hein, un chanteur africain, Afrique du Sud. Alors, j'ai dit une date et moi je vais vous le confirmer ce que je dis. Hein. Alors, voilà, 2020. Voilà, 2020, exactement. Celui-ci, c'est un 2020. Alors, il a fait un carton en Afrique. Rien à dire, hein. Il a fait un tabac, il était en Afrique, c'est pas comme en France, comme en Europe, hein, parce que les Européens, c'est des trous du cul de balle, et les Américains, pareil, parce que je pense que même peut-être certaines discothèques américaines sont ouvertes, mais je suis pas du tout sûr, mais par contre, en Afrique, ils s'en foutent complètement, voilà, ils s'en foutent complètement, et je peux vous garantir que, voilà, ces discothèques là-bas, ça fonctionne, voilà. Je peux vous le dire parce que j'ai de la famille en Afrique de l'Ouest, qui est tout simplement en Côte d'Ivoire, donc voilà, j'ai des informations. Ils disent que là, il n'est pas coloré, hein, voilà, il est tout simplement noir. Alors, il y a des titres que c'est un peu remixé, qui veut dire tout simplement, c'est un maxi, comme si c'était un maxi 33 tours, et voilà, c'est tout simplement... Et d'autres, bah bien sûr, ouais, ça fait, voilà, sur un seul disque, il y a 6 titres. Sur le second disque, 5 titres, voilà. Je peux vous certifier, face A, 3 titres, face B, 3 titres, face C,
Face C, trois titres, oui, c'est ça, je vais pas dire d'annerie, et face D, 2 titres, voilà. Alors, je l'ai écouté, c'est vraiment, vraiment, vraiment Jérusalem, qui j'aime beaucoup plus. Voilà, c'est vraiment le titre qui marche très bien, leur version maxi 33 tours, qui est de la bombe atomique. Alors, par contre, ce qui me fait rigoler, c'est que le Jérusalem, Jérusalem, attends, je vais regarder quelque chose, je suis en train de chercher quelque chose que je vais vous signaler. C'est chouette, comme dirais-je souvent. Ah oui, d'accord, je l'avais pas vu. Alors, 8 et 5 minutes. Alors, ça, c'est l'original. 5 minutes 42. Ça, c'est Jérusalem. Par contre, le Jérusalem remix, vous allez rigoler que le remix, il fait que 5 minutes. Jérusalem. Voilà, Jérusalem. Voilà, c'est Jérusalem. J'avais raison, Jérusalem. 5 minutes 28. Alors, c'est, pour moi, ce n'est pas un remix. Il est remixé, mais en 5 minutes 28. Ça fait un peu léger, hein, pour un remix. Normalement, un remix, ça se tape. Hein, 5 minutes. À 5 minutes. À 5 minutes 60. Hein, non, 5 minutes 55, 6 minutes 20, etc. Là, non, et vraiment plus court que l'autre, et l'autre, c'est l'original. C'est la première fois, franchement, c'est un truc chelou. Moi, personnellement, quand c'est un remix, pour moi, c'est un remix, quand c'est une version remix, c'est plus long. Voilà, donc voilà, très beau disque, hein, mais bon, on conseille plutôt de l'avoir en single. Hein, voilà. Voilà, le conseil plutôt en single. Alors, c'est quand même une très belle écoute, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, voilà. Donc, c'est vraiment un bon disque de chez Warner, voilà, chez Warner. Et voilà, tout simplement. Bah alors, d'abord, les deux disques, ils sont de chez Warner, hein, je peux vous le dire, certifié, ils sont tous les deux de chez Warner. Voilà ce que je voulais vous faire présenter. Hein, je vous avais dit que j'allais faire quelques vidéos, peut-être demain, après-demain, tout ça, voilà. J'ai en train d'attendre ma commande qui arrive. J'aurai les tasses dans pas longtemps, je vous ferai montrer comment sont mes tasses. Et à partir de là, je mettrai sur eBay, et à partir de là, je vendrai, je pense 15€ la tasse, je suis pas très sûr. Voilà, je pense 15€, ça fait cher comme une tasse pour certains qui vont dire, mais voilà, je passe par un fournisseur qui imprime à ma place, donc tout simplement, et moi je sélectionne ce que je veux. Donc c'est à partir de là, bon, je calcule avec mes droits de gain. Voilà. Et bien sûr, la livraison, c'est 5€, donc ça revient à 20€, quoi. Donc, si pour vous, ça vous interpelle, c'est pas obligé, mais voilà. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et voilà, c'est fait un petit moment que je vous fais présenter ce genre de disque, hein, parce que c'est un très bon disque, c'est des bons disques, hein, franchement, voilà. Et bientôt, écoutez, je risque de commander un autre qui s'appelle Disco, un très disque, vraiment un bon, très bon disque de j'ai vu qui me plaisait. Ça, je crois que j'ai intérêt de le ramasser avant qu'il s'en va en vacances. J'ai eu coup de bol, hein, de le voir celui-là. Hein. J'ai eu coup de bol de l'avoir. Quand je l'ai vu, je l'ai sauté dessus. J'ai vu le titre, c'est bon, j'ai couru dedans. Donc voilà, un très bon disque. C'est un album, hein, je vous le préviens, mais voilà, c'est le single qui m'intéresse. Le reste, pas trop ça. Mais voilà, c'est super. Je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous fais des bisous, bye bye, à plus, voilà.